Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, on parlait de l'analyse de position et du choix du plan stratégique. Quelques remarques générales maintenant. Il serait possible de donner encore de nombreux autres exemples qui prouvent que les attaques impétueuses que nous avons vues, donc voulant briser explicitement l'équilibre, exécutées avant la perturbation de l'équilibre due à une erreur, une imprécision, en présence d'une défense précise de la part de l'adversaire, ne peuvent avoir de chance de réussite. Par attaque, on entend une menace de la position adverse, soit par une avance de pion, soutenue par des pièces, soit par une concentration de pièces à un endroit déterminé de l'échiquier. Aux échecs vaut également la règle des sciences militaires que la conduite efficace d'une attaque requiert toujours une supériorité des forces attaquantes. Beaucoup de débutants connaissent le principe « n'attaque pas là où tu es le plus faible », sinon tu finiras par être dans une position inférieure. Pour l'attaque, il faut soit la position la plus active des pièces, soit une supériorité d'espace, des pions plus mobiles, des points faibles dans la position adverse, etc. En tout cas, cela ne peut se produire qu'après une perturbation d'équilibre. Cette règle n'a qu'une seule exception. Comme dans l'exemple que nous avions vu celui issu de la partie italienne, la défense sicilienne que nous avions vue comme en équilibre dynamique. Il s'agit de positions où, avec une position équilibrée, chacun des deux camps a l'avantage à un endroit d'échiquier, d'où il peut attaquer, en prévoyant toutefois une éventuelle contre-attaque de l'autre côté. Ce problème-là, ainsi que d'autres questions ayant trait à l'attaque et à la défense, on le verra plus tard. Alors, reste à savoir quelles conséquences a une perturbation de l'équilibre occasionnée par des imprécisions d'un des adversaires. Une importante perturbation d'équilibre peut conduire à une position objectivement gagnante pour un des deux camps. Par exemple, en cas de perte matérielle sans compensation suffisante, la victoire du camp le plus fort généralement qu'une question de réalisation technique de l'avantage. Un sérieux affaiblissement de la position du roi peut également mener à une attaque inéluctable et provoquer une décision rapide de la partie. Mais dans la plupart des cas, une perturbation de l'équilibre ne mène pas immédiatement à une position objectivement gagnante. Toute supériorité ne peut être transformée en victoire. L'étude des finales montre des positions où même une importante supériorité matérielle ne peut pas être exploitée. Ainsi, par exemple, un fou et un pion du bord ne peuvent gagner contre le roi dépouillé lorsque la case de promotion du pion n'est pas de la couleur du fou et qu'elle est surveillée par le roi adverse. De même, dame et pion ne peuvent dans certaines positions forcer le gain contre tour et pion, etc. Mais les conséquences d'une perturbation de l'équilibre sont toujours telles qu'un camp obtient des conditions plus propices à l'exécution de son plan stratégique et que celui-ci marque la suite de la partie. L'adversaire est alors contraint, en premier lieu, de parer des menaces tactiques ou positionnelles, de sorte qu'il ne peut établir un plan de jeu actif propre. Le procès au cours duquel l'un des camps donne le ton pour l'exécution du plan et l'autre est obligé de s'y subordonner son jeu, nous l'appelons initiative. Donc l'initiative est la suite naturelle de la perturbation de l'équilibre d'une position. Suite à ce déséquilibre qui apparaît, le joueur favorisé entame un plan stratégique approprié et l'autre est obligé de suivre ce plan en se défendant, ce qui donc est appelé alors initiative ou celui qui lance le plan. À ce propos, on ne doit pas confondre les notions d'attaque et d'initiative. L'attaque n'est qu'une des formes possibles de l'initiative, mais elle peut également se présenter sous des formes toutes différentes. Par exemple, exploiter une supériorité matérielle, une simplification planifiée, passage à une finale avantageuse, forcer l'avance de pion passé, etc.
Il peut même arriver qu'un camp ait l'initiative pendant que ce soit l'autre qui attaque. Par exemple, quand après un gain de pion, on menace d'exploiter cet avantage, il peut se créer une situation où l'adversaire ne voit pas d'issue autre que dans une attaque désespérée et qui, faute de préparation suffisante, doit rester sans exploit ni succès. Il est évident que dans ce cas-là, l'initiative n'est pas l'attaque de l'adversaire imposée par certaines circonstances, mais bien notre supériorité matérielle. Par conséquent, l'initiative appartient forcément et logiquement au camp à l'avantage duquel l'équilibre a été perturbé. L'initiative peut se présenter non seulement sous plusieurs formes, mais également à des degrés divers. Parfois, elle se révèle décisive et mène à la victoire, même avec la meilleure défense. Parfois, il n'est pas certain que l'avantage obtenu soit suffisant pour la victoire. Seulement, l'adversaire est cependant, pendant un long moment, si ce n'est pendant toute la partie, acculé en défense, et il peut compter exécuter un quelconque plan. Dans ce cas, nous parlons d'une initiative durable. Et pour finir, il arrive que dans la partie, nous atteignons une certaine supériorité et que l'adversaire soit obligé pendant un certain temps de se prémunir contre nos menaces. Mais s'il parvient petit à petit à les neutraliser, l'équilibre sera rétabli. Dans ce cas, il s'agit d'une initiative passagère. Comme une telle initiative passagère, on peut également considérer la supériorité initiale que possèdent les Blancs grâce au privilège du premier coup. On dit qu'ils ont un avantage d'un demi-coup et, comme nous l'avons dit, l'expérience a montré au cours du temps que cet avantage n'était pas énorme mais était en général tout à fait passager. Voilà, alors nous quittons cette analyse préliminaire, on va dire, de la stratégie dans la prochaine vidéo. Pour nous attacher à un point plus spécifique, nous parlerons de la valeur des pièces. Je vous remercie.